Bonjour à toi, petit lionceau, petite lionne, petit lion, tout ce que tu veux qui fait partie de la savane, et entre toi aussi dans le cycle de la vie, en parlant du Roi Lion réalisé par Jon Favreau. Est-ce que j'ai pas envie de résumer l'histoire, honnêtement? C'est pas la peine. Bah, qui ne la connaît pas en fait? Simba, Il y a des gens qui fils n'en de connaissent. Mufasa, destiné à devenir roi, qui va être exilé suite à un grave accident. Voilà. Je Oui, dirais ça. c'est ça. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt en fait de résumer le film parce que je pense que tout le monde connaît l'histoire au moins du Roi Lion. Oui, bah Il y en a peut-être certains qui ne l'ont pas vu, mais je pense que la majorité au connaît l'histoire pire, du Roi Lion. c'est une adaptation d'Hamlet. Voilà. Ceux qui Voilà. connaissent pas Et le de Roi Richard Lion. III. Et de toute l'œuvre de William Oui, Shakespeare c'est à peu près ça, ouais. combinée. Bref. Pour en parler avec moi, l'homme Disney, je crois que je vais te surnommer comme ça à partir de maintenant. C'est marrant parce qu'on m'appelle comme ça au boulot aussi. L'hombre de Disney. Renan, comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux. C'est un gros morceau auquel on s'attaque aujourd'hui. Oui. Parce que je vais le jeter comme ça. Je n'ai pas vu un seul youtubeur dire un avis positif autour du Roi Lion. En tout cas en France. Aux États-Unis, les avis sont mitigés. Certains estiment que c'est sympa. D'autres trouvent que c'est passable. Et certains disent qu'ils ne s'en souviendront plus dans 2 jours. Le film divise complètement. Aux États-Unis, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'un Disney sort sur IMDb, donc les catalogues des Américains, les films ont des notes plutôt bien. Parce que la plupart du temps, ce sont des fans qui notent le film. Le Roi Lion a 5,2 sur 10 sur IMDb de moyenne spectateur et a 57 sur 100 en Metascore. Au-delà de ça, la plupart des retours des premières avant-premières aux États-Unis étaient moyens. Tout en fait véhiculer ce que plusieurs personnes se disent depuis plusieurs mois autour du Roi Lion, c'est-à-dire à quoi ça sert en 2019 de refaire le Roi Lion à l'identique en photoréaliste. Une grande question auquel nous allons essayer de répondre ici. Du coup, je me tourne vers toi, Renan, avec ce gros background compliqué. Regarde, je te le passe et Merci. je te demande qu'est-ce que tu as pensé du Roi Lion version 2019? Alors, moi, mon avis est un peu compliqué. Je peux pas dire que c'est un mauvais film parce que c'est Le Roi Lion et que de base c'est un chef-d'œuvre et que bah, même en photoréaliste, ça reste Le Roi Lion. C'est pas, je peux pas dire que c'est un mauvais film. La démarche, par contre, c'est vrai qu'il y a des moments, surtout au tout début du film, quand tu commences à te, quand t'as les premières images, où tu te dis, putain, ils font pas d'efforts. Et en fait, tu rentres dedans et tu laisses faire ta nostalgie, et finalement, bah, tu sors du film, bah, t'as revu Le Roi Lion, avec de petites différences par-ci par-là, et puis bah, t'es content parce que ça t'a rappelé plein plein de bons moments que t'as vu millions de fois au cours de ta vie, et finalement, bah, ça reste plaisant à regarder, quoi. Bon, après, oui, la démarche y a pas de prise de risque. On peut critiquer, oui, la démarche, mais sinon, ça reste le Roi Lion, et puis en plus, visuellement, c'est incroyable. Même musicalement, c'est superbe aussi. Enfin, il n'y a rien de spécial. En fait, si on devait le juger en tant que film tout seul, sans prendre l'original, ça serait un super bon film, au final. Donc, C'est juste que c'est un remake. c'est juste que c'est un remake, et que forcément, il souffle la comparaison de l'original, et que l'original est tellement C'est un classique. sacré. C'est un classique, ouais. C'est un classique, Classique l'original est tellement intouchable. sacré que ouais, je peux comprendre que ça crispe des gens de revoir exactement la même chose alors qu'on aurait pu attendre éventuellement autre chose. Et d'un autre côté, je pense qu'on aurait eu autre chose, ça aurait gueulé tout autant. Il suffit de voir les films qui sont annoncés bientôt, hein, La Petite Sirène, Mulan. Oh Il suffit oui. de voir ça pour se rendre compte que bah oui, si on change des choses, ça crispe les gens. Donc bon, pour moi les deux démarches se valent, l'une ou l'autre, ça dépend vraiment des spectateurs, et de toute façon, la démarche de faire des remakes divise quoi qu'il arrive Et chez divisera Disney, toujours, de et toute divisera façon. toujours. Alors que ça fait partie de l'origine du cinéma, ça c'est un énorme débat Voilà. très compliqué. Mais ouais, je te soutiens à fond là-dessus. C'est un film qui est compliqué à aborder parce que oui, il est jugé parfois avant même sa sortie. Beaucoup le traitent d'arnaque parce que il ne voit qu'une espèce de motivation financière. Je tiens juste à rappeler que même s'il y a des mecs comme Jeffrey Silver qui font partie réellement de Disney et d'autres, c'est tout de même Jon Favreau qui produit en grande majorité le long métrage.
et qu'il réalise. Donc il y a quand même une vraie démarche, on va dire, d'accomplissement de la part de Jon Favreau. C'est pas juste un mec qui sait tout et qui écarte les fesses pour Disney. C'est un mec qui essaye vraiment de proposer quelque chose. C'est une innovation technologique, donc certains n'y voient que ça. Une innovation technologique. Je peux comprendre ce point de vue. De là à parler d'arnaque, on n'est pas sur une arnaque. Une arnaque, à la limite, ça serait, je sais pas, un film Street Fighter qui n'utiliserait pas les personnages de Street Fighter. Ouais, Ou plutôt. ça serait, j'en sais rien, un Bah, ou un film. film Le Roi Lion, et en fait, c'est des. Et en Je sais fait, on pas. n'aurait pas Simba, on n'aurait pas Mufasa, Voilà, ça etc. Enfin, serait autre chose. en gros, là, on n'est pas sur une arnaque. On est juste sur un film qui propose de céder une partie de l'artistique au profit de la technologie, ce qui a donné lieu des fois à de très grands films, des fois à des films qui divisaient plus. Mais ça tente quelque chose. Pour moi, ça a réussi en partie parce que la nostalgie ici marche. C'est pas une nostalgie qui gangrène le long métrage comme ça peut être le cas avec d'autres films qui passent leur temps à faire des clins d'œil. Là, le clin d'œil, il n'y en a qu'un. Ça s'appelle Le Roi Lion. Et Le Roi Lion, ça fait partie de la culture pop aujourd'hui. Ça fait partie de l'univers de plein de gamins qui aujourd'hui ont 30, 35 ans, 25, 27 comme moi, mais qui ont tellement grandi avec ça qu'ils ne peuvent peut-être pas prendre de recul. Et peut-être juger une œuvre en se disant, attends, je vais prendre un avis objectif et je vais regarder Le Roi Lion tel un grand critique de cinéma. Non, c'est pas possible en fait. Le Roi Lion, c'est un truc. Enfin, moi, quand j'ai testé le film ce matin et que j'ai vu l'introduction, j'ai failli pleurer. Alors que j'ai juste vu 5 minutes. J'ai juste vu Oui. les 5 premières minutes jusqu'au moment où il y a le titre qui apparaît. Et je me suis dit, waouh, c'est ça a beau être un truc où je comprends que la démarche, c'est vraiment purement technologique. Ben, il y a assez de nostalgie et donc d'émotions véhiculées par la nostalgie qui suffit à prendre le film. C'est ça. C'est. Ça va être compliqué. Je te propose qu'on saute tout de suite dans le grand bain. Vas-y. L'écriture, donc c'est Jeff Nathanson tout seul qui s'en charge. Alors, Jeff Nathanson, c'est un auteur qui a des œuvres intéressantes à son actif et d'autres films qui se nomment Pirates des Caraïbes, dernier du nom. La vengeance de Salazar. Donc Salazar. c'est très compliqué. Jeff Nathanson, je pense que là, clairement, en termes de scénar, il s'est pas vraiment foulé puisqu'il a repris vraiment toute la base. Il a juste réécrit des dialogues, rajouté des scènes, essayé de composer avec des personnages qui sont plus ou moins neufs. On va en parler un petit peu, mais les choix qui sont faits autour de Timon et Pumba sont plutôt rigolos. Ouais. C'est des choix plutôt intéressants. Après, il y a clairement un ton qui est adapté dans le film en termes d'écriture, et tu vas peut-être m'appuyer là-dessus, c'est que c'est beaucoup plus radical dans la manière d'amener certaines scènes. C'est-à-dire dans le sens où je trouve que le film ne cherche pas à mettre tant que ça d'humour par-dessus son Non, sujet. en C'est-à-dire que effet. tu regardes par exemple, mais les hyènes, on Les connaît hyènes. tous la fameuse phrase, Mufasa, wouh! Redis-le encore une fois, Mufasa, wouh! Mufasa. Et ben non, parce que ça n'est pas dans la thématique du film. C'est ça. En fait, les hyènes sont. Bah, les hyènes, en fait, elles étaient un peu le cul entre deux chaises dans le film dans l'original, où elles étaient à la fois des méchants comiques et à la fois des menaces. Oui. Là, elles n'ont vraiment que le rôle de menace avec un petit aspect comique, mais qui Par le reste biais vachement d'un léger. duo qui. Voilà, il y a un petit duo de hyènes, d'ailleurs, elles sont jamais nommées dans le film. Elles ont un nom, mais je Mais serais incapable de me on rappeler sent que lequel. dans le film, il y a des démarches qui sont beaucoup plus radicales dans le traitement de certains personnages. Oui. C'est-à-dire, ils préfèrent se concentrer sur Scar et vraiment lui le rendre méchant et faire des hyènes des personnages plus secondaires et C'est donc ça. des sbires plutôt que de faire comme dans l'original où. Sauf Shenzi qui du coup prend plus d'importance par Elle prend rapport plus de au. place, ouais. Mais clairement, ils ont voulu faire ressortir une hyène et un duo comique sans jamais le nommer. C'est ça. Et le duo comique, tu sens qu'il est à peine appuyé parce que ils ont l'air d'avoir du mal à savoir comment amener l'humour au sein de ce film. Parce que c'est vrai que la radicalité et la manière avec laquelle les premières scènes, j'ai trouvé que c'était pas glauque, mais très premier degré. Par moments, je me disais, un gamin, il peut être très réfractaire à ça. Il peut vraiment se dire. Attends, papa, tu m'avais dit que j'allais voir le Roi Lion. Là, c'est juste un père qui explique à son fils comment diriger le royaume. Il n'y a pas de blague, les chansons, elles sont toutes simples. Enfin, en termes d'écriture, c'est particulier parce que je vois beaucoup de gens parler vraiment de la technologie, mais je vois peu de gens évoquer la radicalité avec laquelle Jeff Nathanson choisit de traiter tous les personnages au premier degré. Ben, en fait, là, je pense qu'on touche aussi au problème de la démarche d'être photoréaliste. C'est que l'humour d'un dessin animé dans ce visuel-là ne marcherait pas. Et du coup, il y a une obligation d'adapter, sauf qu'on veut quand même garder le dessin animé. Du coup, on se retrouve un peu à jongler Bah du coup, entre il faut garder de l'humour,
mais pas trop parce que ça passe pas. Bah du coup tu passes en tant qu'auteur dans la phase où en gros c'est alors qu'est-ce qui marche dans un dessin animé, qu'est-ce qui marche pas dans la C'est ça. réalité? Est-ce que si jamais on faisait le film Le Roi Lion en live, est-ce qu'on pourrait faire telle vanne ou telle vanne ou telle vanne? Et en fait c'est ça qui s'est posé Jeff Nathanson et je pense que ça a été entre guillemets sa seule démarche artistique d'écriture. Je Se pense, ouais, dire c'est ça. qu'est-ce qui fonctionnerait et qu'est-ce qui fonctionnerait pas. Et à partir de ce moment-là, il a choisi de traiter des trucs. Bon, après, il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner, mais qui sont tellement essentielles au film que tu peux pas les... Exactement, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Après, moi je trouve que clairement, en termes d'écriture, il y a aussi un autre problème. Enfin, avant ce qu'on a évoqué, c'est pas vraiment un problème en soi. Là, c'est plus un problème. Je trouve le film beaucoup trop long. Oui. Et je trouve qu'en termes d'écriture, ça n'aide en rien le long métrage d'être long. C'est-à-dire que finalement, les trucs dont on va se souvenir de cette version-là par rapport à l'original, c'est les trucs qu'il y avait dans l'original. Les nouveaux trucs. Ou certains nouveaux trucs qui viennent changer un peu l'original, mais qui restent ancrés dans une partie Bah, par existante. exemple, les dialogues de Timon Les et dialogues de Pumba. Timon et Pumba, c'est des choses qu'on va se rappeler de ce film-là. Par contre, ouais, en fait, c'est pareil, la longueur en fait qui est rajoutée, elle n'est pas rajoutée sur vraiment des choses essentielles. Ça va être allonger certains points, genre ne serait-ce qu'au début, le coup de la souris. Mais ça, entre guillemets, je pense que ça, on en parlera plus Voilà, en mise en c'est en scène, technique ou en mise en mais scène, mais c'est. ça fait partie de ces moments, parce qu'il y a quand même 30 minutes de film en plus, et ça fait partie de plein de petits moments comme ça, où en fait on a étiré une scène, là où il n'y avait peut-être pas forcément besoin de l'étirer. Et il y a une scène qui a été rajoutée, moi j'ai bien aimé, parce que je suis bien rentré dedans, après c'est... Voilà, il y a une grosse scène qui a été rajoutée, je vais pas le dire, parce que c'est vrai vers la fin du film, quand même, donc... Ah, Je ne vais bravo. pas dire ce que c'est, mais du coup, ouais, c'est une scène où je suis plutôt pas mal rentré dedans, et du coup, je trouve qu'elle fonctionne bien. Mais elle n'est pas essentielle, elle Ah n'est bah non. pas indispensable, et le film aurait pu très bien s'en passer. Moi, je t'avoue qu'il y a une scène qui m'a marqué, que je trouve finalement plutôt logique dans la démarche, c'est la scène de la touffe de poils. Ouais. Bah celle-là, finalement, elle a. Au début, je me suis demandé quel sens elle avait, et puis finalement, cette idée de montrer un petit peu le cycle de la vie, mais d'un autre œil, d'un autre point de vue, en servant de la technologie, c'est en termes d'écriture quelque chose de finalement intéressant, parce que ça véhicule un message qui est en adéquation avec le propos de base vraiment du film C'est ça. et des personnages. Et là-dessus, ça se complète plutôt bien, je Ça trouve, marche moi. bien, mais je trouve qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, ça va, on a Mais compris. j'ai bien vu qu'à un moment, t'étais en mode, ouais, ok. Bah ça, oui, mais en fait, c'est ça, c'est que cette scène-là, en fait, elle est pas longue dans l'original, mais là, elle se rallonge, mais Ah elle se bah rallonge clairement, oui. tellement qu'à un moment, tu te dis, bon, ça va, on a compris. Ah, moi Enfin, je trouvais qu'elle avait du sens quand même. elle a du sens, Elle a mais du il y a un sens. moment où moi, je me suis dit, bon, bah, j'ai compris la démarche de la scène. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Ah bah Et en ça. fait, j'étais là en train d'attendre. Bon, la suite? Allez! Et bah ça, de toute façon, je te propose qu'on plonge tout de suite dans la mise en scène parce qu'il Ouais. n'y a pas grand-chose de plus à dire dans l'écriture. Pour moi, ça résonne avec tout ce qui fait la réalisation de Favreau. Ça n'est pas un film, entre guillemets, artistique dans le sens où on pourrait l'attendre habituellement d'un film. Là, c'est un film où Favreau s'est dit clairement qu'en termes de mise en scène, il allait céder une partie de la créativité et de l'ambition pour la performance technologique. C'est ça. Et la performance technologique se ressent dans ces deux fameuses scènes qu'on a évoquées, C'est la ça. souris et la touffe de poils. C'est ça. La souris parce que on vient de passer la partie, entre guillemets, gros clin d'œil, où on reprend tout à C'est l'identique. plus qu'un clin d'œil là, Ben là, c'est c'est tout à vraiment l'identique. l'identique, mais enfin, c'est ce que je te disais en sortant de la salle, c'est on a l'impression qu'ils ont mis le dessin animé en calque Alors, devant ils ont et mis le qu'ils ont dessin animé, recopié à il faut se l'identique. dire qu'ils ont fait dessin animé, et ils ont dit, alors, on enlève la girafe qui a une réaction humaine lorsqu'elle voit le soleil, on enlève Rafiki qui arrive avec son bâton, on enlève le coup du sable en plus dans le visage, on enlève ça, on enlève ça. Ouais, il y En a fait, que. Y ils ont a... vraiment essayé de le rendre plus réaliste tout en collant vraiment à Ah ouais, l'original. non, la scène Mais de toute d'intro. façon, c'est à l'image de tout le film. C'est collé au photoréalisme tout en rendant purement et simplement hommage à l'original et carrément en recopiant l'original. Après, il y a des parties pris qui sont un peu radicaux et je vois certaines personnes tomber dessus en mode c'est nul, c'est pourri, ça témoigne d'une incompréhension. C'est par exemple le fait que les musiques ne soient pas trop mises en scène. C'est vrai. C'est un parti pris. Pas qui va dans l'idée de photoréalisme finalement. Parce qu'en photoréaliste, tu imagines pas un lion se balader sur le cul d'une autruche ou Non. finir sur une pyramide d'animaux qui partent dans tous les sens. Tu te dis, alors, comment il faut pour tenir? non, là, ça, oui, ça marcherait pas. Mais la scène est bien rendue, je trouve. Et la scène, du coup, a de la gueule, parce que étonnamment, la technologie, du coup, sert plutôt bien l'idée de Favreau de vouloir
rendre réaliste quelque chose qui ne le serait pas dans un dessin animé. Et donc du coup, les chorégraphies deviennent quelque chose de plus simple. Ça va être simplement Simba et Nala qui vont se balader en dessous le cou de toute une ribambelle de girafes, et les girafes vont se lever au fur et à mesure, et ça va donner une rythmique et une petite mise en scène. Ça va donner une rythmique, qui se cache en dessous le truc, et en fait il y a tout. D'ailleurs, c'est le jeu, on le voit mieux que dans le film d'origine, c'est le jeu avec Zazu qui essaie de les repérer et eux qui essaient de le semer. Et c'est beaucoup plus mis en avant là que dans le film d'origine où t'as vraiment la chanson qui passe, et en fait finalement la seule chose qui fait que Zazu ne les perd, en fait, c'est qu'il se fait écrabouiller par le hippopotame. Il se fait, il se fait écrabouiller par toute la colonne, je crois, en plus. Ouais, quasiment, enfin il reste juste l'hippopotame dessus à la fin, mais en gros c'est pareil, ça c'est un ressort comique, on peut pas le mettre dans un film live parce qu'on sait très bien que ça arriverait en photoréalisme, mais en gros, Zazu, il est mort écrasé, quoi, c'est bon. Oui, c'est ça. ça passerait pas trop, hein. Je pense qu'il y a des forcément, il y a forcément des changements nécessaires. Par contre, le copier-coller pur, simple, au plan près, c'est vraiment dans l'intro. Après, ils essayent quand même de garder En fait, c'est le souci, c'est qu'ils peuvent pas ensuite vraiment faire... Il y a des plans, clairement, qui sont identiques à l'original. Au début, j'étais comme ça, j'ai fait... Mais... Oui, mais c'est parce que vraiment je... le plan. C'est non, parce que je pense qu'ils comptent près. Mais plans de toute façon, en même temps, je pense qu'ils ont dû se dire cette scène-là, on ne peut pas la toucher. Tout le monde la connaît. Ça, même ceux qui n'ont pas vu le film connaissent cette scène-là. Ils connaissent la manière avec laquelle Rafiki attrape Simba et le lève. Ils connaissent. Elle servait de bande-annonce. Elle servait de bande-annonce. Il n'y a pas eu besoin de faire plus. Et je pense qu'ils peuvent, ils pouvaient pas y toucher. Tu vois, ouais. Favreau, à mon avis, il s'est posé vraiment en tant que cinéaste et il s'est dit, je m'attaque à un truc qui n'est pas fait pour mes épaules. C'est-à-dire que le Livre de la Jungle à côté, c'était de la gnognotte parce que les gens, ils semblent loin, le Livre de la Jungle. C'était un dessin animé qui faisait partie d'une autre génération. Et donc là, ils s'attaquent à un truc. Tous les gamins qui ont vu le Roi Lion, ils sont encore en vie. Ils ont encore toute leur tête. Ils savent la gueule que ça. Et donc, du coup, ils peuvent pas oublier un truc comme ça. Ils peuvent pas se dire, oh bah vas-y, fais un peu n'importe quoi avec. Donc, ils savent qu'ils vont leur tomber dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent la scène à l'identique. Et ensuite, ils s'en détachent. Voilà. C'est comme une espèce de profession de foi que je pense beaucoup de gens n'ont pas réussi à dépasser parce que les gens se sont dit, ça va être comme ça tout le long du film. Oui, mais en fait, ça sera de toute façon la même chose. Comme on disait, sur quel que soit le film en fait, qui sera repris, soit on reprend à l'identique, ça va plaire à une partie du public et pas à une autre qui veut de la différence. Et inversement, on va faire un truc différent comme essaye de le faire la... Petite sirène apparemment, ou en tout cas Mulan. Ça on peut pas juger. En fait, mais en tout on cas, peut pas par exemple, juger, mais ça semble. Le Livre de la Jungle était plus dans cette idée-là, voilà. Par exemple. Mais du coup, faire des différences. Mais là, je parle vraiment des films qu'on a connus nous étant enfants. Donc La Petite Sirène et Mulan, on est en plein dedans. Et effectivement, l'intention a l'air de changer des choses. Et autant dans Le Roi Lion, bah, y a des gens que ça crispe, que ça soit identique, d'autres qui ça plaît énormément. Et inversement, ceux que ça plaît pas que Le Roi Lion soit identique, bah, sont très contents que ça soit différent chez Mulan et La Petite Sirène. Et ceux qui voulaient de l'identique dans Le Roi Lion, et bah, ils sont pas contents parce que c'est plus identique dans les autres. Enfin, c'est comme je disais dès le début, c'est une démarche qui va de toute façon couper le public en deux entre les réfractaires et les... Les réfractaires. Ben non, c'est des réfractaires de choses différentes, mais. En fait, c'est une démarche qui est compliquée parce que pour moi, elle cristallise aujourd'hui toute une complexité qu'il y a dans le cinéma. C'est que tu peux toucher à certaines œuvres, mais tu peux pas toucher à l'enfance. Oui. Tu peux toucher à des films cultes, tu peux toucher à des trucs que les gens connaissent. Après, ça dépend le geste que tu choisis d'en faire. On peut remettre en cause le Ghostbusters version féminin, mais mine de rien, les gens l'ont critiqué une fois qu'il était sorti, pas quand il est sorti. À part les connards de misogynes qui étaient en mode c'est des femmes donc ça va être de la merde. Oui. Mais sinon c'est qu'à partir du moment où le film est sorti que ça a vraiment polarisé et que ça a divisé. Mais là c'est toucher à l'enfance. Et toucher à l'enfance c'est pas concevable pour la plupart des gens. C'est vrai. C'est pas possible. Tu peux pas toucher à un truc comme ça. Mmh. Et du coup je pense que c'est ça en fait qui polarise bien au-delà de la démarche qui d'un côté va être radicale dans le genre on copie et de l'autre côté on va faire un truc différent. Je pense que c'est simplement le fait de toucher à quelque chose qui fait partie de l'apprentissage de la vie presque d'un être humain. Et quand tu touches à l'apprentissage de la vie, c'est comme si tu disais à un mec, bah ça c'est pas une fourchette, c'est un couteau. Et ça c'est pas une cuillère en fait, ça c'est un mouchoir. C'est un peu ça finalement. C'est un peu polarisé personne, un peu radical, mais c'est un peu ça. Voilà. Et je pense qu'on touche à ça avec le Roi Lion. C'est on dit à un gamin, ben ça c'était pas ton enfance, ça c'est ton enfance. Et ça sonne pas logique dans sa tête. Parce qu'un enfant, c'est parfois un peu bête.
En ce qui concerne le casting, j'annonce tout de suite, nous allons être un des rares duos de France, dans la critique, à évoquer plutôt le casting en VO parce qu'on n'a pas vu le film en VF et qu'on n'avait pas envie de le voir en Voilà. VF. Ryan Benzetti, toi-même tu sais. Donc, C'est même pas ça, moi c'est Jamel que je voulais il pas. y a Jamel, il y a bon, Ivanov, moi de toute façon c'était tout le casting, sauf Jean Reno parce que Jean Reno était dans la version Ouais. originale, comme ici James Earl Jones qui reprend Mufasa, Oui. qui est très très bon, mais en même temps lui, je ne vois pas trop comment on peut le critiquer en sachant que c'est à voir Dark Vador, on peut pas le critiquer, voilà. Moi je trouve que le casting ici est vraiment bon parce que aux États-Unis ils ont eu la bonne idée de confier ça à des gens qui savent chanter, et au-delà de savoir chanter, qui ont un vrai charisme vocal. C'est-à-dire, tu prends Beyoncé, elle a une voix. Oui. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais elle a une voix. Tu prends Donald Glover, on peut lui reprocher certaines choses, mais il a une putain de voix. Tu prends Seth Rogen, il a la voix de Pumba. Tu Ah prends oui. John Oliver, il a la voix de Zazu. Tu prends tout le monde. Tu prends Billy Eicher qui a fait la voix de Timon, il a la voix. Tu prends. Je peux en prendre plein là comme exemple. Tu prends Chiwetel Ejiofor en Scar, il est Ah extraordinaire. oui, non, mais bah, moi, de toute façon, j'ai trouvé que le casting vocal était. Enfin, j'ai rien à dire en fait sur le. Parce que, en fait, on reprochait le. Il y a beaucoup de gens qui reprochent le manque d'émotion dans le visuel. Et en fait, c'est parce que derrière, dans la performance vocale, ils remettent un supplément en fait d'émotion pour compenser. Et en ça, moi, par exemple, c'est Donald Glover qui m'a vraiment bluffé. C'est que je me suis dit, effectivement, ce lion, donc c'est, je parle de Simba adulte là, ce lion qui est pas très expressif, ce qui est logique, puisque c'est un lion, qui est pas très expressif, ben, au lieu de lui donner la voix un peu plus sérieuse qu'avait Matthew Broderick, je crois, dans le film d'origine, C'est possible, oui. en fait, là, il a une voix beaucoup plus. Il fait plus jeune, mais il met beaucoup plus d'entrain dans sa manière de jouer. Et du coup, tout de suite, le personnage paraît plus expressif, plus impliqué aussi dans l'histoire. Et ça marche vachement bien. Pareil, Scar, je l'ai trouvé. C'est Chiwetel pas du Ejiofor a tout. une C'est pas super du tout. voix. On n'est pas du tout sur la même classe que Jeremy Irons, ça c'est sûr et certain. Mais c'est très différent. Et malgré tout, Chiwetel Ejiofor, de toute façon, moi, je l'ai découvert dans Serenity, moi. Et je trouve que ce mec a une voix qui marche super bien dès qu'il fait le méchant, mais c'est. Il est menaçant dans sa voix. Ah bah là il a une voix qui porte et Et là, ça marche, mais puis waouh. super bien. Et on a un Scar qui est, pareil, vachement plus. Il est moins sournois, Plus shakespearien, je trouve. plus shakespearien, et plus, pareil, plus impliqué dans son jeu. Plus manipulateur, je trouve. Il a Exactement. tendance à vouloir vraiment jouer sur. Là où Jeremy Irons offrait plutôt une prestation qui était de l'ordre, je dirais pas du caricatural, mais C'était théâtral, c'était Jeremy Irons. théâtral. Et d'ailleurs, c'est un acteur shakespearien, donc Oui. ça n'est pas étonnant. Là, Chiwetel Ejiofor, il apporte bah, justement ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, cette touche de réalisme en fait qui rend les jeux crédibles. Parce que, mine de rien, on va rappeler ce point de détail qui est tout de même important, il double tous ses personnages des animaux. Mais pas des animaux en mode dessin animé, des animaux qui sont supposés être réels. Oui. Donc c'est la pire chose au monde, parce que tu dois doubler des persos où on se dit, ah, dès le début, on peut se dire, mais ça parle pas un lion. Puis un oiseau ne te parle pas. Ça parle pas Et un puis lion, en effet. les hyènes, là, d'où qu'elles causent. On pourrait se dire ça. Et ils arrivent tous à rendre ça crédible du début à la fin du film. Même visuellement, d'ailleurs. Je me prosterne parce que pour moi, c'est vraiment Oui, il y a impressionnant une. Ouais, d'arriver à non, non, faire il y a une ça. très belle performance vocale en VO. Enfin, c'est pour ça que je regrette absolument pas de ne pas l'avoir vu en VF. Parce que moi, par contre, j'ai écouté les chansons en VF avant de voir le film. Et Il faut non, savoir et que j'ai pas la aimé du VO, tout. il faut savoir que la VO, tous les interprètes des personnages chantent réellement leurs chansons Oui. en VF, étant donné qu'il y en a certains qui ne savent pas forcément bien chanter, et ben, il y a des chanteurs de The Voice qui les doublent. Pas Timon. Non, Jamel a pris des cours de chant exprès. il y en a beaucoup. Oui, mais Timon, j'y crois quand même pas. Ah non, mais moi, J'y de crois toute quand même façon, pas j'ai à pas. Jamel Debbouze Il a qui pris des chante. cours de chant, mais ça reste Jamel. Les C'est. professeurs de l'amour, je te rappelle. Les professeurs de l'amour qui va chanter à commune à ma tête. Bref. Mais voilà, en termes de ouais, casting vocal, nickel. Peut-être le seul qui est peut-être un petit peu en dessous, c'est le Simba jeune. Un poil en Ouais, mais dessous il du s'en sort reste. pas trop mal, Il s'en sur quand sort pas même. mal, mais après, c'est pareil, il est pas aidé parce qu'il y a ce côté figé dans les visages. Mais d'un autre côté, c'était ça où on avait des animaux un peu à la Babe, où, tu Bah, sais, où des la animaux bouche un peu bouge trop trop. humanisés, quoi, genre le lion dans le monde de Narnia, où tout le monde arrêtait Exactement, pas de se plaindre en mode oh, mais il a trop une tête d'être Ben en humain. fait, oui, et puis là, on a vraiment l'impression que comme si c'était des animaux qui parlaient vraiment avec des mouvements de bouche
réaliste. C'est à aucun moment, il y a aucun moment où on se dit, bordel, ça se voit que c'est faux. En fait, on a l'impression vraiment qu'on est reparti dans le visuel d'ailleurs, mais du coup, on a vraiment l'impression que c'est des vrais animaux qui parlent et la voix accompagne parfaitement les choses avec la bonne rythmique et tout. Bon, pas le mouvement des lèvres évidemment, parce qu'il n'y en a pas, mais il y a la bonne rythmique, tout est vraiment. Il y a la bonne idée, c'est bien amené, et chaque acteur arrive à faire en sorte que ça passe à l'écran. Oh, c'est Et je ça, pense que c'est une des exactement. plus grandes performances qui montre que le travail de doubleur, c'est tout aussi important que le travail d'un vrai acteur. Exactement. Sur ces belles paroles, on va conclure, mon cher Renan. Qu'est-ce que tu retiens au bout du compte de cette réadaptation du Roi Lion qui divise tant que ça là? Je retiens que je préfère toujours l'original quand même, mais je suis pas aussi. Je m'attendais vraiment en allant le voir à quelque chose de catastrophique, à savoir vraiment copie carbone de A à Z. Et en fait, non, finalement, je me suis. Bon, mis à part les premières minutes où, comme je te disais, avec le fait que ça soit copié-collé, je commençais à me dire, merde, je suis en train de revoir le même film, je m'ennuie. Et en fait, en rentrant dedans, je me suis laissé aller dedans. Et là où le film a vraiment décollé, c'est dès lors qu'on a Timon et Pumba, où là, l'humour est différent du film d'origine. Et d'ailleurs, on n'en a même pas parlé sur le Mais fait que parce c'est que très très méta. j'ai envie de garder la surprise pour les gens. C'est Mais méta, c'est méta, découvrez il y vous-même. a des gags, moi enfin il y en a un qui m'a fait éclater de rire, mais d'ailleurs j'étais le seul à exploser de rire dans la salle. Mais parce que je pense que sur le coup, t'es le seul à l'avoir tiqué. Bah, On ne dira pas ce que c'est, mais c'est voilà, je un suis le seul gag à avoir qui est tiqué, mais très méta Disney. voilà, c'est autoréférencé de ouf. Et moi j'adore les gags autoréférencés, surtout chez Disney où ils font ça super bien depuis Lilo et Stitch, tiens, avec les bandes-annonces où il y avait Stitch qui venait pourrir les autres films. Non, franchement, le film décolle à partir du moment où on rencontre Timon et Pumba. Avant, on est vraiment dans le gros copier-coller, clairement. Mais ça reste le Roi Lion, quoi. On peut pas dire que c'est nul. Même, c'est même pas une arnaque, c'est le Roi Lion. On nous a vendu le Roi Lion, on a le Roi Lion. C'est juste visuellement différent, en fait. C'est tout. C'est un parti pris. C'est un parti pris. Et finalement, en fait, quand on va le voir en tant que film, ben, ça reste un. Pour moi, ça reste un bon film. On peut pas. Et comme tu l'as dit, et je pense que là-dessus, moi, ces belles paroles vont me guider dans la démarche, mais tu l'as dit, c'est le Roi Lion. C'est ça. On sait ce qu'on va voir quand on va se mettre dans la salle. On ne se dit pas qu'on va revoir une réinterprétation du Roi Lion parce que dans notre tête, ça semble pas concevable. Qu'à partir de ce moment-là, je vois pas en quoi il peut y avoir d'arnaque. Parce C'est que ça. l'arnaque, ça serait, comme je le disais au début, de nous promettre quelque chose et de nous donner l'inverse. On nous propose le Roi Lion, on nous donne le Roi Lion. Le Roi Lion, certes, en photo réaliste, avec une démarche artistique qui est plus proche de la performance technologique que vraiment de l'ambition de révolutionner la manière de mettre en scène le photoréalisme, ça n'est pas le but de Jon Favreau. Jon Favreau, il a préféré céder une partie de sa créativité au profit de montrer comment on peut se servir d'une technologie pour finalement recréer un récit, lui donner une autre perspective, pas forcément le révolutionner ou le transcender, mais simplement proposer quelque chose aux spectateurs. C'est quelque chose que les spectateurs n'adhèrent pas forcément tous, Oui, qui polarise les ça peut se avis, comprendre ça peut aussi. se comprendre aussi. De là à dire qu'encore une fois il s'agit d'une arnaque, ça n'est pas le cas. Parce qu'une arnaque, encore une fois, ça serait proposer quelque chose qui est différent au spectateur alors qu'on lui a promis quelque chose de juste. Dire à un mafieux, s'il te propose de gagner 1 million de dollars et qu'à la fin il t'entube et que tu gagnes 20 000, là c'est une arnaque. C'est ça. Là on nous dit qu'on va voir le Roi Lion. Qu'est-ce qu'on On a voit? vu le Roi Lion. Le Roi Lion, mais par Jon Favreau. Mais voilà. Je pense qu'on est d'accord quand même, C'est ça, Renan. ouais. C'est pas le Roi Lion de 94, mais c'est le Roi Lion. C'est le Roi Lion. Et donc à partir de ce moment-là, voilà. C'est bien de le voir au cinéma. Merci mon cher Renan d'avoir Bah, participé à merci à cette toi de petite m'avoir vidéo. invité. Évidemment, tu reviendras pour Mulan. Peut-être Oui. d'ici là, tu reviendras pour d'autres trucs. Peut-être pour la Sans Reine des doute. Neiges 2. Ah, peut-être, oui. Mais peut-être pour la Reine des Neiges 2. Nous verrons en temps et en heure. De toute façon, moi, ça sera radical, je ne suis pas fan du premier. Enfin bref, c'est un autre débat, on ne va pas s'empêtrer Et là-dedans. ben, ça va être beaucoup plus, très intéressant que je vienne, du coup, parce que moi j'ai Oui. bien aimé le premier. Allez, ça sera très intéressant, on se donne rendez-vous à ce moment-là. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. Hakuna Matata. Je n'allais pas finir sur A+. Il fallait que je finisse sur Hakuna Matata, je suis désolé, hein.